J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle semaine de contenu possiblement créatif et possiblement autre. Vous l'avez vu, j'ai pas mal blablaté dans la dernière vidéo. Je pense que ça a déplu à certaines personnes, mais j'ai majoritairement eu aussi de bons retours. De toute façon, bon ou mauvais retour, peu m'importe, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'était très bien. Et c'était très bien, et petite pensée d'emblée de jeu, là, d'entrée de jeu, pour Elodie Uniting Journey qui a parlé d'écologie, ou du moins de ce que j'appellerais juste de la responsabilité consciente. Et je suis entièrement d'accord avec son discours, donc allez voir si vous voulez. Voilà, moi je pousse même le discours encore plus loin. Vais-je pousser le discours encore plus loin d'emblée dans l'intro de la vidéo? Je ne suis pas sûre que ce soit très opportun. Bref, non, allez voir la vidéo d'Elodie, elle parle très bien d'écologie, entre autres, et surtout de responsabilité collective, voilà. Donc j'espère que ça va chez vous. Ici, nous sommes dimanche 24 mars. Tout le week-end, il a fait un temps typique du mois de mars, c'est-à-dire que les températures se sont rafraîchies un peu, tant mieux, il a fait dans les... Je crois 14-15 degrés l'après-midi, combien fait-il là? 12, ouais, donc entre 12 et 15. Et alors il a fait continuellement une alternance de pluie torrentielle, soleil, pluie torrentielle, soleil, pluie torrentielle, soleil. Mais genre des fois c'était 15 minutes de soleil, 15 minutes de pluie, 15 minutes de soleil, 15 minutes de pluie. Des fois c'était un peu plus long, mais vraiment des giboulées de mars dans toute leur splendeur. Clairement, fallait pas sortir sans parapluie. J'ai eu trop de chance. Hier après-midi, je suis sortie... porter un collet Vinted, et il faisait soleil, et du coup je suis sortie comme ça, et franchement je suis rentrée, je suis pas allée loin, mais je suis rentrée 5 minutes après, il pleuvait des cordes. S'il avait plus des cordes sur mon gilet, ça aurait pas été très 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 cool. Mais ouais, c'est typique du mois de mars et ça me va bien comme temps, bon bah voilà, on sait qu'il faut avoir un parapluie sur soi quoi. Ça me permet d'enchaîner sur le fait que je porte le gilet Risp de Lucienne Tricotte. Je vous ai dit là, les pulls en déca, à mon avis c'est fini pour la saison. Par contre, ce gilet en déca, peut-être que c'est encore le compromis. Là j'ai mon Paloma qui est caché en dessous là, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas mis. Le Risp là, je l'ai ressorti parce qu'il est adapté au temps qu'il a fait ce week-end.
Mais clairement, je pense que pour les pulls en déca, c'est fini. Par contre, j'attends encore un peu avant de les laver parce qu'il fait encore trop frais et ça mettrait trop de temps à sécher et je n'ai pas envie que mes pulls déjà passent 1000 ans à sécher et en plus sentent l'humidité. Donc je vais les laver, je pense, quand il fera vraiment beau, genre au mois de juin, et que je pourrai les faire sécher sur mon balcon. Voilà. Voilà. Donc, on est reparti pour une nouvelle semaine créative, naturellement blablateuse. Là, d'emblée, j'ai pas énormément de choses à vous dire, rien de nouveau sous le soleil depuis la dernière fois. Si ce n'est que j'ai beaucoup parlé avec une copine du coup de mes remarques sur le fait d'employer le je devrais, enfin, ou tu devrais à quelqu'un en parlant de son physique, de la projection de l'autre que ça renvoie, etc. C'est hyper intéressant. C'était hyper intéressant de s'interroger de pourquoi on ressent le besoin de dire à l'autre ce qu'il devrait faire de son propre corps. Je trouve ça très intéressant comme sujet. Voilà. Donc, aujourd'hui, les petits objectifs tricot qui vont probablement vous paraître lassants vu qu'ils sont relativement redondants. J'ai très envie de monter une paire de sockets, mais je ne le ferai pas parce qu'il faut vraiment que j'avance sur mes tests. Il y a Eve qui a lancé un cal aussi sur un gilet en dentelle qui est dans ma to-do et ma wishlist depuis hyper longtemps. En plus, il est pas cher du tout, il est à 2€ et quelques le patron. J'ai très envie de le faire. Je pense que je vais participer au cal d'Eve, même si j'arrive pas à être dans les temps, je sais pas quelle est la durée du cal. C'est pas grave, ça me donne l'impulsion pour le faire parce que c'est un gilet que j'ai très envie de faire, c'est un gilet ouvert. Manche trois quarts avec de la dentelle partout, et j'ai très 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 envie de le faire depuis longtemps. Et comme je vous ai dit, je manque cruellement de gilets de mi-saison et d'été, et ben c'est l'occasion. Voilà, je pense que je vais me lancer. Voilà. Donc, objectif tricot de la semaine. Je suis encore sur mes deux tests, et je pense ne pas faire grand chose d'autre de la semaine, parce qu'il faut que je les termine, parce qu'il me semble... Alors, je n'ai pas été vérifier les dates, je mélange un peu tout, mais je crois... qu'il me reste moins de 2 semaines pour les deux. Il y en a un pour lequel ça va le faire, l'autre, j'ai un gros doute qu'en moins de 2 semaines j'arrive à le terminer. On verra. Avant de vous les montrer, il y a 2 autres petites choses que j'aimerais faire potentiellement cette semaine, ce sont 2 échantillons. J'aimerais faire l'échantillon du Sioman de Lucienne Tricot. Je vous rappelle, il y a le cal en cours sur Instagram qui dure jusqu'à fin août si vous avez envie de nous rejoindre. Envoyez-moi un message sur Instagram, mettez-moi un commentaire sous la publication ou du cal Sioman, vous allez la trouver facilement dans mon compte. Je n'ai pas encore commencé parce que je vous dis, on s'est un cal en toute détente, chacun commence quand il veut, juste on l'arrêtera fin août parce que voilà, on va pas le faire durer 10 ans. Je n'ai pas encore échantillonné, je sais que je n'aurai pas le bon échantillon, il faut que je voie les aiguilles, la taille, tout ça, donc je peux peut-être échantillonner cette semaine. Et j'aimerais échantillonner aussi... pour le test du gilet Atoul, vous savez le kimono dont je vous ai parlé là, le sort de kimono gilet d'été de Audrey Borrego. Je n'étais pas décidée sur le fil, je suis pas encore 100% décidée, mais j'ai été voir sur le... Audrey fonctionne sous forum Ravelry, donc il y a des... C'est pas un Slack, c'est pas un groupe Instagram, c'est Ravelry, mais c'est la même chose. Et il y a des gens qui ont fait des échantillons avec des fils auxquels j'avais pas pensé. Et je sais qu'Audrey n'est pas très stricte sur le fait que l'on doive respecter impérativement son échantillon. Ce qu'elle veut surtout, c'est du coup la conduite du patron et justement des idées de fils, d'adaptation, etc. Donc avec le fil en question, je vous dis pas ce que c'est parce qu'on en reparlera quand j'échantillonnerai. Je pense que j'aurai un échantillon qui sera pas forcément correct, mais pas non plus extrêmement éloigné, et je pense que ça pourrait le faire et ne pas déranger Audrey. À voir. Bon. Pour l'instant, on va parler des 2 tests qui m'occupent beaucoup et qui me captivent beaucoup, j'aime beaucoup les tricoter, à savoir le pull Ampelia de Nadia Crétin-Léchaine, qui est là, que je tricote en Jawel Silk de Lang. Donc je vais vous le dire, c'est le coloris 128 et c'est 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. On peut faire des chaussettes avec, mais en l'occurrence moi je ne fais pas des chaussettes, je fais un pull, j'aime trop cette couleur. Et donc j'ai terminé le corps, je vous ai dit j'étais dans les côtes la dernière fois,
Oui, c'est ça. Mais comme c'est un pull en fingering, moi je le tricote en 3,25, Nadia le tricote en 3, et les côtes sont en 2,5, normalement moi j'ai les fait en 2,75, mais des côtes en 2,75. Nadia fait des côtes 1,1 normales, moi j'ai choisi de faire des torses parce que je trouvais qu'avec la dentelle, ça rajoutait encore plus, ça venait soutenir le côté raffiné, ça me fait super mal aux mains. Des côtes, beaucoup de côtes torses comme ça en 2,75, on n'est pas sur des chaussettes quoi, ça me fait très mal aux mains. Donc j'ai pris mon temps, je me suis pas speedée, j'ai fait un rang par-ci par-là, et j'ai fini le corps, donc ben, voilà le corps, les côtes sont terminées, et comme j'avais la flemme de faire un rabat à l'aiguille, parce qu'il y a beaucoup de mailles, mais que je voulais quand même un rabat relativement joli, j'ai fait le rabat de Xiaowei Design, je m'en rappelais plus parce que je l'avais déjà fait qu'une seule fois, je sais même plus sur quel projet. Et j'ai été revoir la vidéo et c'est très simple. Et franchement, je trouve que le rendu, il est pas mal du tout. C'est joli et c'est élastique et j'aime bien. Donc, ça donne ça. Le corps donne ça. Je l'ai essayé. Il faut que la dentelle s'étire un peu, mais ça, Nadia nous avait prévenu. Mais il est vraiment très bien au niveau de la taille. Nickel. Faut pas qu'il prenne beaucoup. Enfin, il peut prendre un tout petit peu de partout s'il veut, mais pas des masses parce que sinon, ça sera un peu grand. Mais il est très bien, et donc j'ai continué un peu la manche que j'avais déjà commencé, je vous l'avais montré. Je l'ai continué un peu ce week-end. Donc ce sont des manches tombantes, donc on démarre déjà quasiment mi-biceps, donc ça avance vite. Enfin, ça démarre bas, donc forcément c'est moins long, et comme j'ai des petits bras, rappelez-vous, j'ai des bras de T-Rex, bah c'est encore moins long. Donc là, je l'ai essayé, il me manque plus grand-chose avant les côtes, je pense qu'il me manque une dizaine de rangs avant les côtes, et je pourrais faire les côtes. J'ai fait un rythme de diminution un tout petit peu différent de Nadia, parce que je sais que j'étais gros bras. En fait, j'ai juste espacé un tout petit peu les diminutions pour que sur la partie grosse de mon bras, il y ait quand même plus de mailles, et c'est très très bien. C'est très très bien. Je retombe sur le même nombre de mailles, tout ça, à la fin. C'est juste qu'au début, j'ai pas diminué aussi vite qu'elle, mais voilà, c'est tout. Et donc, bah, je vais finir, je pense, je vais essayer de la finir ce soir, la manche, comme ça, elle sera faite. Je vais finir les rangs qui me manquent. Je vais faire les côtes, et voilà, et après faudra faire la deuxième. J'aimerais bien cette semaine finir le pull. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible. Au moins, bah, finir la première manche, ça oui, je vais même essayer de la finir aujourd'hui, et démarrer la deuxième, et voilà. Je pensais pas le finir dans les temps, et franchement si, et il est magnifique. Je suis extrêmement fan de cette couleur, de ce motif, de tout en fait. Il est vraiment très très beau. Et voilà, et la manche en jersey, bah, c'est facile. Je fais ça sur des mini-circulaires en coudé de chez Chiagou. Vous savez que moi je tricote sur des yaya, mais par contre au niveau des mini-circulaires je préfère les Chiagou. Voilà, je tricote sur les mini-circulaires coudés Chiagou. J'ai mis un peu de temps à les prendre en main et je trouve pas ça ultra 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 confortable, mais ça va, c'est tout à fait correct, parce qu'en fait je me suis rendu compte que si je tricote en Magic Loop, j'ai une tension beaucoup plus serrée que quand je tricote en rond sur le corps, et ça va pas. Souvent je me suis retrouvée avec des manches trop serrées. Alors que là, j'ai une tension très similaire à du corps en rond, peut-être un chouille plus large, mais quasi rien. Donc voilà, ce projet est magnifique, je suis extrêmement fan, même si je me rends bien compte que ce que je porte majoritairement dans les saisons qui se réchauffent un peu, ce sont des gilets et des gilets en fingering. Je n'en ai qu'un, le noir, que je vous ai montré la fois dernière, d'où le fait qu'il faut que cet été, vraiment, je me fasse des gilets. Voilà, donc j'aime beaucoup, hâte de voir la suite. Et le deuxième test que je fais, c'est le pull Aconite pour Audrey Borrego, alors qu'il peut être un pull ou un t-shirt. Moi je vais le faire manche 3/4, j'espère que j'aurai assez de laine, sinon bah, j'irai au bout de ma laine et je ferai des manches à la longueur où elle s'arrête. Mais normalement je pense que ça devrait le faire, j'espère, parce que j'ai pas très envie d'avoir à racheter du fil, d'autant plus que je vous l'ai dit, je ne suis pas certaine de pouvoir facilement en retrouver. Alors, il s'agit donc de la Knitting for Olive coton mérino, donc dans le coloris Piglet et Ochre Brown, voilà, et c'est une mérine, c'est une fingering un peu fine, puisqu'on a, je crois, voilà, 250 mètres pour 50 grammes, donc 500 mètres pour 100 grammes, donc on n'est pas loin de la light, enfin, la light fingering c'est 800 mètres pour 100 grammes, donc on est plutôt sur de la fingering un peu fine, mais j'aime beaucoup. C'est 70 coton, 30 laine, enfin 30 mérino, et le rendu est vraiment chouette. Je tricote ça en 2,25, j'ai le même échantillon qu'Audrey sur la même fibre, et je pense que ça va être
excessivement agréable à porter sans être trop chaud. Et donc, j'en suis là. Et donc, oui, mes copines me disaient, mais c'est fou, on dirait qu'il y a trois couleurs. Mais non, il n'y en a que deux. C'est un jeu de mailles glissées, en fait. C'est un jeu de mailles en droit, mailles en vert et mailles glissées. Et je trouve que ça rend hyper bien. J'aime beaucoup. Alors, j'ai hâte de faire l'encolure. En fait, je me dis que je vais finir ma pelote là, qui est ma deuxième pelote de Piglet. Et dès qu'elle sera finie, je ferai l'encolure avant de continuer le corps pour avoir un meilleur rendu de comment rend le haut du pull. Et ouais, le rendu est fluide et tout. Avec le soleil en plus, c'est sympa. Enfin, j'aime beaucoup personnellement. J'ai continué le corps, c'est quand même super long. On a beaucoup de mailles, je fais une grande taille. Ça se tricote en 3,25. C'est de la fingering fine. Donc, il y a beaucoup de mailles. Je sais pas combien j'en ai sur les aiguilles, mais un rang est assez long à faire. J'ai ça sous les emmanchures, donc y a encore du taf, hein. Il y a encore du taf. Dans un monde idéal, comme dirait Mathilde, mon objectif, ça serait de finir le corps cette semaine. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas parce que je me rends compte que quand même, je mets beaucoup de temps à faire les rangs. Et moi, je veux pas faire un truc crop, hein, ça serait bien, mais il y a aussi les manches du Ampelia, donc à voir. Donc voilà, et faire l'encolure. J'aimerais bien finir le corps, faire l'encolure. Faire l'encolure, je pense que ce sera fait puisque c'est sûr, bientôt je vais finir ça. Donc je vais faire l'encolure d'abord, mais le corps, j'ai des doutes. En tout cas, j'aime beaucoup et je trouve que ce motif est vraiment très très sympa. Ouais, on dirait qu'il y a trois couleurs de loin et en fait, paf, de près, ce sont des mailles glissées. Et il y a une erreur devant, mais elle ne se voit pas. En fait, c'est là. Vous voyez, regardez. Ici, le motif est bon. Et ici, il ne l'est pas. Je ne devrais pas avoir deux mailles claires l'une au-dessus de l'autre. Mais franchement, dans la masse, ça ne se voit pas. Donc voilà, ce sont mes deux objectifs, en plus des échantillons que j'aimerais bien faire. Et après ça, j'ai un petit planning dans ma tête, mais on en reparlera quand j'aurai fini ça, parce que j'en ai encore au moins pour toute la semaine, et je pense même une partie de la semaine prochaine. Pour finir, je voulais vous parler patrons et vidéos. Il n'y a pas beaucoup de patrons. Je crois qu'il n'y en a qu'un que... Alors, un seul patron, et ce n'est même pas du tricot, je vous le mets là, c'est du crochet, mais c'est beaucoup trop mignon. J'avais vu sur Instagram, elle avait fait un petit teaser, il y a Lali Lala, donc si vous ne la connaissez pas, c'est une designeuse crochet qui fait beaucoup beaucoup de choses très sympathiques, très jolies, plein de petits animaux, de petites décos et tout, enfin j'aime beaucoup moi ce qu'elle fait personnellement. Et elle a sorti les Purring Cats, ce sont des petits chats trop mignons, et elle vend les kits. Avec à l'intérieur la... Vous savez le... Enfin c'est pas une boîte à musique, mais vous savez, on tire sur la ficelle et ça tremble comme les trucs qui avancent tout seul ou les jouets pour chats quoi. Mais bon, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça chez elle. Mais en attendant, ce sont des petits chats avec une pelote de laine. Et du coup, si on achète son processus ou un autre, d'ailleurs, ça doit se trouver ailleurs, on tire sur la pelote et le chat vibre jusqu'à ce que la pelote se ramène à lui. Enfin bref, c'est trop mignon. J'aime trop, c'est très très chou. Voilà, ça n'a pas bien compliqué en soi, hein, franchement. Oui, c'est vraiment, je pense que du crochet débutant, c'est carrément faisable et c'est trop mignon. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé le carnet créatif numéro 12 d'Eve et c'était vraiment, vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Et voilà, comme d'hab, c'était très très chouette. Je t'embrasse, Eve, et je vous embrasse toutes les personnes dont je vais parler parce que je vous apprécie beaucoup. J'ai regardé encore un peu de Vlogmas de Filles de Nuages parce que Éléonore, elle est ultra pétillante et elle est ultra enjouée et elle apporte beaucoup de fraîcheur dans le monde du tricot. Je crois que c'est la podcasteuse la plus jeune que je suis et je crois que d'après ce que j'ai compris, elle a 22-23 ans, donc vraiment. Je me sens vieille là tout d'un coup. Elle est jeune, elle est très très jeune et elle est hyper enthousiaste au niveau du tricot. Elle tricote depuis hyper longtemps, elle porte encore les pulls qu'elle sait tricoter quand elle avait 12-13 ans. C'est incroyable. Et puis elle assume tellement, enfin c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup plus d'années d'expérience de vie qu'elle.
Et j'assume beaucoup moins. Genre, elle va au point relais, elle explique au mec qu'il lui faut absolument son colis parce que dedans il y a de la laine et qu'elle veut absolument finir ses chaussettes et que du coup faut qu'elle tricote et qu'elle aura pas le temps. Enfin, non, mais moi jamais de la vie, j'ose dire au point relais que je viens chercher des pelotes de laine, quoi. J'aimerais avoir cette assurance et avoir cet allègement du poids du regard de l'autre. Vraiment, 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 j'aimerais. Mais elle m'inspire beaucoup. Je la trouve très très inspirante et toujours pleine de vie, elle fait mille et un trucs, elle est jeune quoi, et c'est cool, et c'est cool. J'ai regardé le vlog numéro 75 de Loli Pelote, c'était aussi très très sympa. Loli Pelote, c'est aussi quelqu'un de très inspirant, alors elle est plus âgée qu'Eléonore. Oh non, la batterie me dit qu'elle est bientôt morte, j'espère que je ferai le temps de finir. Vite, voilà, elle est aussi très inspirante, bien sûr, elle est plus âgée qu'Eléonore, puisqu'elle est un petit peu plus âgée que moi, enfin, mais aussi très inspirante. Et j'ai regardé le vlog de Elodie Uneating Journey, et c'était super chouette, tous ses projets sont canons, ses réflexions autour du tricot sont canons, ses réflexions écolo, j'adhère à 1000%, et du coup, je lui ai donné le truc de regarder les vidéos un peu en accéléré, ça permet d'en regarder plus, c'est ce que je fais maintenant, en fonction du débit de parole des gens, je regarde en 1.25, ou en 1.5, et c'est pas du tout désagréable, et ça me permet d'assouvir mon envie boulimique de podcast, soyons honnêtes. Cette batterie qui clignote vide me perturbe, donc on va s'arrêter là, je vous laisse, et on se retrouve plus tard. Nous sommes mercredi 27, il y a un rayon de soleil pour vous, c'est le premier de la journée alors qu'il est plus de 17h, ouais, il est largement plus de 17h, c'est le premier rayon de soleil, il a plu hier toute la journée, et aujourd'hui il a fait gris et venteux toute la journée, d'où le pull en déca que j'ai supporté aujourd'hui parce que les températures ont baissé un peu chez moi, il fait 18, et j'étais bien dedans, c'est le Home Before Dark, ou Dark Before Home, Home Before Dark je crois, de Nadia Crétin les chaînes, que j'ai fait en charisma de drop, c'est que, rappelez-vous l'histoire dans mon chure, tout ça, mais que j'aime bien au final, même s'il a des raglans qui sont trop profonds, je le porte, j'aime bien ces couleurs gris-rose, même si voilà, morphologiquement c'est pas le pull le plus saillant, mais je l'aime bien. Donc, je voulais venir blablater de plusieurs petites choses aujourd'hui. Vous parler un peu de plan tricot, de trucs que j'ai envie de faire prochainement, et vous montrer des choses, puisque hier c'était mon anniversaire, j'ai eu 37 ans déjà, mon dieu, au secours, ça passe beaucoup trop vite, et j'ai eu la chance d'être gâtée par des tricopines, des tricamis comme je dis, j'ai notamment reçu 3 patrons, on m'a offert le patron du Itofude Cardigan. J'avais déjà dit qu'il était dans mes favoris depuis longtemps, que Eve avait lancé un cal et que j'aimerais grandement peut-être me craquer dessus pour le faire, mais que c'était pas raisonnable tout ça. Et bah finalement, maintenant que j'ai le patron, je suis obligée de rejoindre le cal d'Eve. Écoutez, ça fera un caston de plus dans les prochaines semaines et moi je ne m'en formalise pas du tout. Donc le Itofude, on m'a aussi offert le Garden Cardigan de je ne sais plus qui est un très joli cardigan que je ne connaissais pas, un cardigan sans, un gilet sans boutons. Si j'y pense, je vous mettrai des photos des patrons, et ça j'aimerais bien le faire aussi à un moment donné, mais je sais pas trop quand. Et on m'a offert aussi le patron de Lali Lala, des petits chats dont je vous ai parlé, et là il va falloir que je castonne un ami gourmet au crochet, c'est évident que je fasse des petits chats, c'est au moins un, mais dans l'idée j'aimerais en faire 3, à l'effigie donc de mes 2 chattes et du chat de mes parents, et pour l'offrir à ma maman, je veux dire pour Noël, non, pour la fête des mères. Alors on fête pas particulièrement la fête des mères, mais je me verrais bien lui offrir ça, voilà, avant l'été, enfin un peu un cadeau sans occasion quoi, parce qu'elle voulait que je lui tricote pour l'été le Provence Top, elle me l'a demandé l'été dernier, et franchement je suis pas sûre du tout d'avoir le temps de le faire, donc du moins de le faire pour l'été, donc le petit chat je sais que ça lui fera plaisir, il faut que je regarde le patron, ça doit pas être bien compliqué, mais vous savez le truc le plus pénible que je me suis dit, j'y pensais hier soir, je me dis ah faut que je sorte mes cotons, faut que je sorte mon crochet, tout ça, et je me dis oh, mais en fait je sais pas où j'ai rangé mes yeux de sécurité. Ils sont dans une trousse, parce que j'en ai quand même plusieurs tailles et plusieurs formes, et j'ai rangé cette trousse quelque part,
J'ai à peu près une idée de où, enfin voilà, mais j'ai pas une idée extrêmement précise. Sauf que la chercher va me nécessiter de déplacer des boîtes de laine, etc. Et ça me saoule d'avance. Mais il faut que je cherche ces yeux de sécurité. Et cette trousse notamment parce que je ne sais pas quels yeux de sécurité je vais mettre. Voilà, donc ça c'est les trois patrons que l'on m'a offerts et que je vais castonner un jour, mais j'aimerais bien notamment deux qui castonnent bientôt, en plus du Sioman que je voudrais échantillonner. C'est vrai, j'avais dit que je ferais ça cette semaine et je n'ai pas sorti les fils. Il faut que je le fasse, je sais même pas ce que j'en ai fait des fils, si je sais où ils sont, dans quelle boîte ils sont, donc faut que je les sorte. Bref, et sinon, on m'a aussi offert, regardez, comme j'ai des tricopines qui sont douées, mais de folie, on m'a offert ce magnifique écheveau de chez Lily sur un fil. Et il a été filé main. Il a été filé main. Mais regardez comme c'est beau. Oh, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Il est filé main. Mais c'est sublime. C'est sublime. Et du coup, je réfléchissais à quoi en faire. Quand je l'ai vu, déjà, j'étais trop comblée de bonheur et de. Rempli d'émotions qu'on pense à moi comme ça, c'est fou. C'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu l'habitude qu'on pense à moi parce que voilà, j'ai grandi dans une famille où j'avais mes parents, j'avais de la chance d'avoir mes parents, tout ça. Mais depuis que je suis dans le monde du tricot, je me rends compte que l'attention, elle est encore plus là. Vraiment, il y a de. Ouais, il y a plus d'attention, il y a plus de petits détails, il y a plus de. Il y a plus d'intention dans l'attention, je trouve. Voilà. Bref. Et donc, je réfléchissais à ce que je pourrais faire avec, puisque c'est de la fingering, enfin, c'est de la fingering sport, il y a 375 mètres pour 100 grammes. Au début, je m'étais dit que je ferais bien un duo, genre moufle headband ou un truc comme ça. Puis au final, moufle headband, c'est vraiment un truc que je porte trop peu souvent dans l'année. Et je veux. Profiter de ça plus souvent. Donc, j'ai eu deux idées. Quand j'en ai parlé à ma copine, je lui ai dit que je ferais bien un châle à un écheveau et que pourquoi pas le doubler avec du mohair écru. Elle me disait que c'était une bonne idée parce que ça viendrait flouter le côté irrégulier du filage à la main. Et donc, j'ai réfléchi, réfléchi. J'ai pas du tout envie de faire un truc style Sophie Scholl ou quoi. C'est vraiment des projets que j'aime pas. Mais j'ai deux idées qui me sont venues et je ne sais pas vers lequel je vais m'orienter. Mais il y en a un qui me plaît un peu plus que l'autre, mais peut-être que je vais jouer à Yarn Chicken si j'opte sur la version 2. Je me suis dit pourquoi pas faire le châle Iris, donc celui à la mode là que tout le monde fait en ce moment, qui est un châle à un écheveau plus un mini, je crois, c'est ça. Et donc mes deux options, ce serait l'option 1, le faire donc la couleur principale dans cet écheveau-là. Et faire la dentelle avec du mohair écru en simple ou doubler tout le châle, enfin doubler toute la couleur principale avec du mohair écru, donc pour se retrouver sur un châle en déca, faire la dentelle en mohair écru mais doublé, et je me dis que ça pourrait rendre absolument canonissime. Mais deux choses qui me questionnent. La première, c'est que est-ce que j'aurai assez de laine de cet écheveau-là? Si je fais la version DK, je pense que oui, mais rien n'est moins sûr. Enfin, je tricote serré, donc à mon avis, ça peut le faire, mais bref. Et la deuxième, c'est est-ce que je porterai autant un écheveau fingering mohair qu'un écheveau fingering tout simple? Et la réponse est je ne sais pas. La réponse est je ne sais pas, parce qu'en vérité, des châles fingering mohair, je n'en ai pas. Ça serait aussi la bonne occasion d'en faire un. Enfin, un châle, j'ai le. Birds of a Feather qui alterne fingering et mohair. Le Lift Me de Nathalie by Night, c'est pareil, mais je n'ai pas de châle fingering plus mohair. Enfin, j'ai des gros châles, mais on est plus sur du plus gros. Donc, c'est en réflexion. Je me dis que quand même, l'allier avec du mohair écru, ça le sublimerait. Je sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez me donner votre avis, allez-y, je prends. Parce que voilà, j'avais envie d'un châle, un écheveau, mais qui soit pas non plus un châle tout simple, tout simple. Et la forme du iris, c'est une forme que j'aime beaucoup. C'est la forme du Birds of a Feather, c'est la forme du Find Your Fade, etc. Et cette même tricopine m'a offert. Là, j'ai mis tout mon bazar que je vais vous montrer. Ce magnifique sac. Non, non, pas acheté dans le commerce, cousu par ses bons soins. Mon Dieu, mais. Il y a des gens qui sont terriblement doués, qui ont beaucoup de talent. Regardez-moi
tout est magnifique, la couleur, le tissu, les finitions, j'aime trop la couleur de la bandoulière, la couleur du rabat, le tissu principal. Regardez la finition, il y a une poche derrière, donc c'est une banane, mais plus stylée qu'une banane de forme banane dedans. Et donc là, vous voyez, il y a un pli parce que ça grandit un peu le sac. Il y a une poche. Et regardez-moi le tissu à l'intérieur. Oh là 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 là. C'est plein de chats. Mon Dieu, franchement, j'étais scotchée. Quand j'ai reçu ça, je me dis, mais oh my god. Vous voyez, là, il y a énormément d'intention dans l'attention d'avoir cousu ça pour moi. Et j'ai jamais connu ça avant. Enfin vraiment, même ma famille, ils savaient jamais quoi m'offrir parce qu'en vérité, ils prenaient pas la peine d'essayer de me connaître vraiment. Alors oui, j'ai eu des cadeaux tout le temps à Noël et à mon anniversaire, j'étais pourri gâtée, mais plein de fois, j'ai eu des cadeaux un peu à côté de la plaque, ou du moins, et surtout au début de mon âge adulte, je me souviens des Noëls où ma mère m'a offert pendant 5 années de suite des pyjamas parce qu'elle savait pas quoi m'offrir en fait, et parce que moi j'avais des milliards d'idées, mais elle m'a rien demandé. Mes parents ne... Enfin, ils y connaissent rien à la laine, c'est... Oui. Maintenant, ils me demandent d'acheter moi-même le cadeau, ils me remboursent, voilà. On n'est plus du tout dans l'intention, on est dans... Au moins, j'aurai quelque chose qui me plaît vraiment. Mais mes parents n'ont jamais fait vraiment la démarche de vraiment chercher qu'est-ce qui pourrait vraiment me plaire. Quelquefois, oui, et j'ai eu de très belles surprises, mais la majorité du temps, non. Après, c'est pas grave, ils avaient autre chose à faire, et voilà. Mais, enfin, bref, tout ça pour dire que j'ai été pourri gâtée. Regardez ça comme c'est... C'est trop beau. Ensuite, avant de vous parler de ça, le télesto. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est l'âge, ça y est, ça ne va plus. Aconite, je vous le montrerai pas aujourd'hui, je vous montrerai demain ou vendredi quand je viendrai clore. Le aconite, j'ai le nez tout rouge, je suis désolée, je me suis mouchée juste avant. Le aconite de Yarnflex, vous avez dit, oh là là, je suis à la bourre sur le test, il est pour début avril. J'ai été voir, il est pour le 21. Donc, ça va, j'ai encore un peu de temps. Alors, je suis pas ultra large, parce que c'est quand même des aiguilles 3,25, un fil assez fin, et voilà, mais c'est mieux que début avril, quoi. Voilà, donc j'ai 3 semaines, donc je vais encore carburer sur lui. Et le... Ampelia de Nadia qui est là, je vous le montre pour la dernière fois aujourd'hui parce que je vous cache pas que j'avais oublié que Nadia ne veut pas qu'on montre les projets finis avant leur date de sortie. Alors là clairement il est presque fini mais il ne l'est pas et de toute façon il n'est pas bloqué et il prendra toute sa beauté dans le lavage puisque vous voyez là le devant est plus court que le dos et Nadia le dit que c'est normal quand on le tricote que le devant remonte, la dentelle va s'allonger à la même taille que le dos lorsqu'on lavera l'ouvrage. Donc j'ai fini une manche qui est parfaitement à ma taille et tout, j'ai essayé, tout va bien et je suis dans la deuxième, donc voilà, j'ai fait à peu près la moitié, un peu plus peut-être, voilà, donc je suis dans la deuxième manche, donc il sera fini dans les prochains jours et bah, vous le reverrez à sa sortie. Voilà, ça c'était pour lui et pour le aconite pour vous dire que finalement j'ai un peu plus de temps, d'où le fait que je vais sans doute castonner des trucs entre temps. C'est sûr que je vais castonner au moins un truc, voire deux, voire plus, vous allez voir. Et le coup du chat à un écheveau, j'aimerais vraiment le lancer, mais pour l'instant j'arrive pas à me décider si je le double avec du mohair ou pas. J'ai échantillonné pour l'autre test de Audrey Borrego que je fais, je vous ai dit, c'est le Atul Cardigan, donc qui est une sorte de kimono d'été. Au début, j'avais une idée de fil. Enfin, j'avais plusieurs idées, et ça nécessitait que je passe commande, et je ne vous cache pas que bah, j'ai pas encore passé commande, parce que j'ai regardé les fils qu'utilisaient les testeuses, et ce qui est cool, c'est qu'Audrey, elle est pas ultra rigide sur l'échantillon. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on teste le patron, qu'on voit comment ça tombe, tout ça, et elle aime quand justement il y a une diversité de fils. Et il y a quelqu'un qui l'a fait dans un fil auquel je n'avais pas pensé, et j'en avais en stock. Donc je pense que ma première version, je dis première parce que c'est sûr qu'il y en aura plusieurs, dans plusieurs fils, je veux essayer ce cardigan dans plusieurs types de fils. La première version sera donc dans ce magnifique sac à projet de chez Petite Moutaine, parfaitement de saison, enfin non c'est summer là. Oui enfin bref, moi j'ai vu du vert et des fleurs et c'était cool. Sera en belle de drops, puisqu'en fait la seule contrainte pour ce cardigan là, ce qu'a dit Audrey, c'est que comme il est... structuré de telle manière à être un
rigidifié par des mailles glissées. Alors, il n'y a pas plein de mailles glissées, mais voilà. Il est conçu, en fait, pour être tricoté avec une fibre souple, mais ne pas dégouliner, et donc elle l'a construit avec un point qui le rigidifie un petit peu. Ce qui veut dire que si vous ne prenez pas une fibre souple, mais vous prenez une fibre rigide, comme le coton par exemple, vous allez avoir un truc d'une rigidité absolue, et Audrey déconseille de prendre des fils voilà, qui n'ont pas de souplesse en fait. Ce qui est tout à fait entendable. Et donc, je me suis orientée vers de la belle de drop, j'avais une quantité en stock, j'ai peut-être pas assez de pelotes, on verra s'il faut, je rachèterai des pelotes. Donc la belle, c'est 33% de viscose, 53% de coton et 14% de lin. Et en fait, la viscose va venir donner la fluidité nécessaire à ce fil, et le lin apporte de la fluidité aussi, et les deux, qui représentent à peu près 50%, vont compenser la rigidité du coton. Et c'est le coloris 21, je crois qu'il s'appelle Rose Amande chez Calidou. C'est cette fibre-là, donc j'aime bien cette couleur. Alors j'avais dit que je voulais faire écru ou quoi pour que ça y avait tout. En vérité, cette couleur rose-là, un peu, un peu vieux rose, ça passera avec quand même pas mal de choses que je mets l'été. Et de toute façon, je vous ai dit, je veux en faire d'autres versions dans d'autres fils. Donc voilà, et donc j'ai échantillonné pour le castonner prochainement. En fait, je me suis interdite de le castonner avant d'avoir fini mon Ampelia, et quand j'aurai fini mon Ampelia, je vais le castonner lui, et je pense que je vais castonner le Sioman, mais il faut d'abord que je fasse l'échantillon du Sioman, il faut vraiment que je sorte les fils, parce que sinon j'y penserai pas. Bref, donc j'ai échantillonné, alors mon échantillon est un peu bizarre, parce que déjà j'ai testé avec deux numéros d'aiguilles pour voir quel échantillon était le mieux, me plaisait le mieux, et correspondait le mieux, et en plus je me suis gourée plusieurs fois dans le... Va falloir que je fasse gaffe quand je vais le tricoter. Je me suis gourée plusieurs fois dans le motif parce qu'en fait l'endroit et l'envers se ressemblent beaucoup, et à un moment j'étais pas concentrée, je savais plus si j'étais sur l'endroit ou sur l'envers, et en fait bah, j'ai fait deux fois le même rang et du coup j'ai inversé l'endroit et l'envers, puisque ce cardigan est super facile à faire, il est sur une base de point mousse, donc ça c'est vraiment cool. En fait c'est une base de point mousse avec des mailles glissées, et c'est tout, voilà. Donc voilà ce que donne mon échantillon. La couleur, elle donne bien, je pense que pour un kimono, ça va être bien. Au niveau de la souplesse, on n'y est pas trop là, mais je sais comment rend cette fibre-là, puisque je l'ai tricotée l'année dernière pour le linote, et je sais que c'est une fibre fluide. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je vais faire celui-ci dans cette fibre-là, et je vais prendre une fibre plus légère, plus fine, pour faire une deuxième version, de manière à avoir aussi deux épaisseurs qui pourront s'adapter à deux moments différents, quand il fait plus ou moins chaud, etc. Donc voilà, on en reparlera quand je l'aurai castonné, mais voilà l'échantillon qui est fait, et ça c'est très cool. Et je parle beaucoup dit donc aujourd'hui. Ensuite, oui j'ai toujours mon ranunculus qui va avancer un jour, et ma chaussette chat qui va se terminer un jour aussi. Moi, pas de panique sur les encours, ça ne me stresse absolument pas. Ensuite, il faudrait qu'on parle de socket. Déjà, j'ai prévu là, dans les prochains jours, parce que j'en ai ras-le-bol, de rafistoler ces trois paires de sockets là. Parce qu'il y a des reprises qui sont pas si longues que ça à faire, et ça, là pour l'instant les trois ne me conviennent pas vraiment aux portées, et donc ce que je veux c'est qu'elles me conviennent vraiment aux portées, donc il faut que je fasse des modifs sur ces trois là, sachant qu'après ça il ne me reste que deux autres paires de sockets, les élastomères de Lissandre qui sont parfaites, et les je ne sais plus quoi de Lissandre aussi qui sont bien, mais je les ai fait dans le même fil que ça, c'est un fil d'été mais assez épais, et du coup elles sont assez rigides, je les aime un peu moins. Bref, donc quel est le problème de ces sockets là? Le problème de ces sockets là, qui sont des sockets à languettes, donc comme j'aime, parfaitement adaptées pour les baskets et tout, c'est qu'elles ont trop d'aisance négative. En fait j'ai respecté l'aisance négative du patron, je les avais testées pour Noémie, je sais plus c'était les sockets quelque chose, je ne sais plus ce que c'était, Noémie préconise beaucoup d'aisance négative en longueur sur ses chaussettes, sauf que mon fil est moins extensible que du mérino ou de la laine, donc elles sont trop courtes en longueur, et donc elles ont tendance à glisser de mes pieds en fait, donc c'est pas du tout agréable. Ce que je vais faire, comme elles se tricotaient de la tige vers la pointe, c'est que je vais couper mon grafting, j'ai encore de ces deux fils là, je vais défaire la pointe, je vais rajouter 1 cm soit de jaune, soit d'orange, franchement j'en sais rien, je vais voir quel fil je trouve en premier, au pied, et je referai le talon, la pointe, c'est pas extrêmement long, il faut que je fasse ça sur les deux, et ce sera fait, et j'aurai une paire de sockets adaptée
à ma taille. Et ça, c'est quand même cool parce qu'elles sont très sympas, ces soquettes-là. Elles sont très sympas, mais elles sont trop courtes en longueur. Donc voilà. Ensuite, sur celle-ci, ce qui va pas, c'est le rabat. En fait, c'était une de mes premières paires de chaussettes, ça. Ce sont les soquettes samedi dentelle du livre Tricoter ses chaussettes. La couleur est un peu passée parce que je les ai beaucoup portées. C'est le coloris orange de... Vous savez, la Tutti Frutti, je les aime beaucoup, j'aimerais bien les refaire celles-ci, elles sont vraiment très sympas. Le truc, c'est que du coup, c'est une finition en dents de chat. Elles disent de rabattre et ensuite de coudre. Et la couture, moi, je ne savais pas comment la faire, en fait. Je m'y suis prise à plusieurs fois pour que ce soit pas trop serré, pour que ce soit pas trop gnagnin. Et en fait, ça fait que c'est très moche puisque ça rebique comme ça. Et en vérité, ce que je vais faire, c'est ce que j'avais fait sur... les soquettes de Lysandre, les élastomères, je crois que c'est ce qu'elle préconise. Je vais défaire le rabat et je vais rabattre en cousant, en fait, vous savez, en raccrochant les mailles au rang pour que ça tienne, en fait, et la couture ne sera pas visible et il n'y aura pas ce rabat tout moche là à l'intérieur qui fait chou-fleur, parce que je trouve vraiment pas ça élégant. Donc il suffit juste que je défasse les rabats et que je les refasse en me raccrochant au rang, au rang en dessous. Ça demandera un petit peu de temps, mais pas des masses non plus, et après j'aurai des soquettes parfaitement adaptée. Et sur celle-ci, ça c'est aussi de la Tutti Frutti de Regia, sauf que c'est le coloris fraise. Je vous ai dit que je les ai tricotées en 2,5. Erreur pour cette paire de chaussettes-là, je pense. Il faut que je bouche un trou déjà là qui m'énerve par ici là. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais défaire les côtes et défaire la tige. Et je vais. Faire le haut des soquettes élastomères. En fait, je vais faire une tige moins haute. Déjà, mes côtes, elles ne tiennent pas du tout à mon pied, parce que ça fait chou-fleur, parce que du 2,5, tout ça. Donc, je vais défaire les côtes, je vais défaire le jersey, je pense, à peu près jusqu'à ici, parce que je pense que les élastomères, elles commencent à peu près ici. Et je vais faire la languette des élastomères avec le fil. Et elles seront bien mieux, et elles me tiendront bien mieux au pied. Donc, je voudrais faire ça, là, dans les 15 jours à venir, histoire que ce soit fait. C'est pénible de revenir sur des ouvrages, mais là je me rends bien compte que j'ai besoin de soquettes et que ces trois-là ont toutes les trois un truc qui me dérange, et donc je suis un peu réticente à les porter. Et pour continuer et finir sur les soquettes, avant de parler de patron et de vidéo, je me suis amusée à faire un nouveau tube avec ma machine Hawkpik, vous savez, la machine Hawkpik qui vient tout droit du Canada, que je me suis offerte en fin d'année dernière, qui fait des tubes de chaussettes, auxquels il faut rajouter après les pointes, etc. Nanana. Vous me demandez régulièrement si je l'utilise toujours, pourquoi j'en parle plus. Alors bien sûr, je l'utilise toujours, elle n'est pas rangée, elle est tout le temps sortie. Je ne l'utilise pas tous les jours comme au tout début où j'étais à fond, mais je l'utilise régulièrement, je fais des tubes. Je me fais une collection de tubes, comme ça quand je veux faire une paire de chaussettes pour moi, pour offrir, ou quand je veux offrir des tubes, j'en ai toujours en stock. Et je ne pense pas nécessairement à vous montrer parce que je fais un petit tube et puis je le range. Là, je me suis dit, si j'essayais avec une pelote de Regia Tutti Frutti de faire un tube et voir si je peux faire des soquettes. Donc, j'ai fait mon tube avec de la Regia Tutti Frutti couleur pomme. Voilà, c'est le coloris pomme. Donc j'ai fait un tube très long parce que c'est une pelote de 100 grammes et que j'ai fait toute la pelote. Nous avons une écharpe, ça ne rentre même pas dans l'écran, enfin voilà. C'est plus grand qu'un collant, hein. C'est presque une paire de collants, non j'exagère, mais voilà. Donc j'ai fait mon tube, j'ai pas eu particulièrement de problème. Alors il y a deux endroits, surtout un, où ça a merdouillé. Ici on voit... que les rayures, la rayure là, on voit que ça a merdé. Je sais pas pourquoi, tout d'un coup ça s'est bien merdouillé. Il est très probable que ce soit la tension sur mon cylindre, vous savez, où on bobine la laine, qui ait été différente à ce moment-là. Je n'ai pas eu de soucis. J'ai essayé de mettre le max de tension possible que je voulais, parce que je sais que ce fil-là rend bien quand il y a de la tension. Je n'ai pas réussi à avoir plus qu'un échantillon de 32 mailles de 10 cm, ce qui est pas mal, mais qui est quand même assez éloigné de ce que j'ai. Alors là, on est... peut-être pas loin de 32, mais à mon avis, on est plus sur 34, et je crois que j'avais mesuré sur mes élastomères en 10 cm avec des aiguilles 2,25, j'ai 36 mailles avec ce fil qui est très élastique. J'ai d'autres pelotes de Regia comme ça,
Ce que je veux voir là, c'est que je vais essayer de faire des sockets. Donc j'ai plusieurs idées, mais la première idée que je vais tester, c'est de faire des sockets idée élastomère. Donc en fait, rajouter la pointe, le talon après coup. Alors je prendrai un contrastant parce que j'ai des contrastants en fil d'été comme ça à chaussettes que j'avais acheté de chez Lana Grossa l'année dernière. Je donc ferai talon pointe et en haut je ferai la languette de la tige de soit du patron élastomère de Lysandre, soit il y a Clotricot qui a fait un tuto vidéo sur sa chaîne sur comment faire une languette de socket. Donc voilà. Je n'ai pas fait d'autres tubes avec du fil d'été parce que j'ai une grosse interrogation sur l'échantillon. Vous savez que je vous ai dit que cette fibre-là, au porté, comme tout coton, elle a tendance à se détendre un peu. Donc, je vais faire une première paire de sockets. De toute façon, le tube, il est fait. Donc, je pense que je vais faire le max de sockets que je peux avec ce tube. Je pense que je peux presque faire peut-être 3 paires. Au moins 2, peut-être 3, je ne sais pas. Et je vais en mettre une en service tout de suite. Les autres dans ma boîte de bas, ou l'autre dans ma boîte de bas, et une en service tout de suite, et je vais la porter, et je vais voir ce que ça donne. Parce que si le tissu est trop détendu, enfin, si l'échantillon est trop lâche pour ce fil, et que je peux pas avoir plus serré avec la machine, et qu'au porté, ça se... voilà, et que je me retrouve avec des sockets trop grandes, bah je ne réitérerai pas. Par contre, si je vois que ça fonctionne, clairement, je réitérerai. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pointes... talon peut-être en 2,5 et la languette de truc là en 2,25 pour être sûr que ça tienne bien au pied. Donc en fait voilà, assez rapidement j'aimerais en finaliser une paire pour la porter et voir au porté si ça va ou si ça ne va pas, si c'est trop grand. Après c'est du 60 mailles mais au niveau largeur je pense qu'on est à peu près comme ça. On est même un tout petit peu plus large que ma chaussette Oh, on est pareil que celle-ci, donc va falloir que vraiment au niveau de la cheville je fasse gaffe et que je fasse attention à l'aisance négative en longueur aussi, que ça puisse compenser un peu la largeur. Donc voilà, je voudrais expérimenter ça, porter et voir ce que ça donne, et si ça fonctionne, clairement je vais faire d'autres tubes avec mes autres pelotes de chez Regia Tutti Frutti, et j'en ai de chez Lana Grossa aussi, pour me faire d'autres paires de sockets, parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de paires de sockets en fil d'été, et je vois bien que je ne les tricote pas. Alors, il y a des modèles que j'ai, que j'ai envie de tricoter, et je le ferai. J'ai plusieurs pelotes, je vais pas tout faire à la machine à tricoter, mais si je peux me permettre de faire un petit stock, là, pour au moins tourner sur le début, c'est vraiment ce dont j'ai besoin, en fait. Donc voilà, affaire à suivre, je vous dirai si ça fonctionne, mais à vue de nez, là, comme ça, j'ai un doute sur l'échantillon, parce que vous voyez, elle, c'est le même fil en 2,25, et l'échantillon n'a absolument rien à voir. Après, lui, il a été lavé, mais l'échantillon n'a rien à voir, quoi. Je sais que je peux avoir 36-38 mailles en 2,25, alors que là, j'en ai 32. Écoutez, je vais essayer, je prie pour que ça fonctionne bien, et si ça fonctionne bien, je pourrais me faire plein de sockets. Et donc, comme je vous disais, avec ce fil, je déconseille de faire des chaussettes hautes, parce que je trouve que ça devient vite chou-fleur. En tout cas, je suis contente de mon tube. Il n'a pas trop merdouillé, donc c'est cool. Voilà, maintenant, je vais couper et revenir parce que ça fait presque 30 minutes. Et on va parler de patrons qui sont sortis et de vidéos que j'ai regardées. Donc, au niveau des patrons que je vous mets là, il y a Irène Lin qui a sorti le Mina Sweater, qui est un gros pull à la Irène Lin. Assez oversize, avec des torsades et un jeu de losange, je le trouve très sympa, et j'ai vu il y a des versions de gens qui l'ont fait court, ou plutôt style tunique, je le trouve très sympa. Il y a Tanis Lavallée qui a sorti un gilet que je trouve hyper fun, c'est le Yetro, je ne sais pas comment on dit, ou Retro à l'espagnol, je ne sais pas, c'est un gilet dont les pans de devant sont en granit. Elle a sorti le pull, je crois, il n'y a pas longtemps, et je trouve ça super chouette. Il me semble, j'ai pas la photo là, mais il me semble que le dos est en jersey et les manches en jersey, et je trouve ça super fun. Il y a Rory Locatelli qui a sorti un petit top d'été vachement sympa en déca, qui est un petit top avec une encolure qui monte un peu haut, c'est ça qui me dérange un peu, mais une jolie dentelle sur les côtés et sur les emmanchures et qui se prolonge sur les côtés, je trouve ça très raffiné. Et il y a le fameux Candy de Atelier Emily qui est sorti, donc c'est la veste que j'ai testée, c'est vrai que je ne voulais pas montrer terminée, mais je l'ai postée sur Insta. Sur ma version, vous remarquerez sans doute que
Le devant remonte un tout petit peu, la bande de boutonnage remonte un tout petit peu, je vais le rebloquer pour rectifier ça. En fait, c'est parce que dans la version de test, dans le patron, il était inscrit de relever un certain nombre de mailles pour la bande de boutonnage. Et en fait, on est plusieurs à avoir constaté que le nombre préconisé à relever dans le cou était un peu juste et que ça avait tendance à tirer un peu dans le cou et donc à remonter. Donc, Émilie a modifié. Et maintenant, ça va, sauf que j'allais pas refaire toute ma bande de boutonnage en jersey double, flemme. Par contre, j'ai l'intention de refaire une deuxième version, et sur ma deuxième version, je ferai deux modifications. Donc bah, je suivrai le patron du coup pour le nombre de mailles à relever pour la bande de boutonnage, ce qui fait que je n'aurai pas ce problème que ça tire dans le cou et que ça remonte devant. Et surtout, je pense que je ferai quelques diminutions avant les côtes du bas, pour avoir vraiment un effet blousant et un effet blouson. Parce que là, je l'ai pas du tout, et moi, c'est vrai que j'aime bien, surtout sur ce type de pièce, quand ça resserre vraiment dans les côtes. Donc, et peut-être que je prendrai une taille d'aiguille encore plus petite aussi. Voilà. Ensuite, il y a Knitting for Breakfast qui a sorti le Butterfly Lane, qui est un pull en jacquard fingering, que je trouve sympa. Alors, il y a peut-être un peu beaucoup d'informations, surtout la texture sur le bas du pull, je trouve que c'est pas nécessaire, mais j'aime bien le style de Knitting for Breakfast, elles ont vraiment des... Je crois, elles ou ils, je sais pas, ils sont plusieurs, je crois. Vraiment des choses très sympas. Et au niveau des vidéos que j'ai regardé le vlog 111 de Lauriane Laudemoiselle, et c'était aussi, comme d'habitude, très sympa. Sa rapidité... Vous dites que je suis rapide à tricoter, mais sa rapidité d'exécution, elle est impressionnante aussi. Elle est vraiment impressionnante. D'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté. Vous m'avez demandé dans la dernière vidéo si je pouvais vous filmer comment je tricote. Il faut absolument que je pense à le faire quand il fait jour. Oui, si c'est pas dans cette vidéo, ce sera dans la prochaine. Je vais essayer d'y penser, de vous montrer d'un plan et de l'autre. Voilà, c'est pas la peine de me relancer. Parce que des fois j'ai ça, des gens qui me relancent par mail ou sur Instagram, j'ai compris, j'ai répondu en plus que j'allais essayer de le faire, donc pas de panique, je vais le faire. J'ai regardé le podcast 13 des joueuses de fil, donc Léa et Laetitia, et c'était trop bien, j'étais trop contente de les retrouver. J'aime trop ce duo, j'aime trop ce qu'elles font, c'est super sympa, elles sont simples, sans chichi, mais elles sont super agréables. Et j'ai un gros coup de cœur pour le Alpine Bloom de Cléa, il est magnifique, il est magnifique. Et j'ai regardé l'épisode 12 de Sophie au fil de la ruche, et c'était là aussi très sympa. Sophie, j'aime trop voir ses châles pleins de couleurs, c'est vraiment extrêmement inspirant, j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je viendrai clore soit demain, soit vendredi, en fonction de la vie. Et je pense que cette vidéo sera assez longue, parce que je crois avoir beaucoup parlé, je sais plus quand, en début de semaine. Je suis pas revenue avant, parce que j'avais pas grand chose à vous dire, et voilà, et je vous cache pas que... Alors non, j'ai pas fait la fête ni rien du tout pour mon anniversaire. Ça fait bien, bien, bien longtemps que je ne fais plus rien du tout pour mon anniversaire. Je crois que la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire, c'était à faire un resto avec des amis. Et c'était pour mes 25 ans, je crois. Donc voilà. Et en plus, hier, je sais pas, il a plu toute la journée et j'étais pas en forme. J'avais mal dormi, je me suis tapé une crise d'angoisse dès le réveil le matin. Enfin bref, c'était mon anniversaire, mais c'était une journée pourrie. Hormis le tricoté avec les filles le soir qui était super sympa. Et puis les colis merveilleux que j'ai reçus. Mille merci encore, et pour les patrons aussi, les filles. Voilà, c'est tout. C'est tout. Moi, j'ai très envie d'aller castonner plein de trucs, mais je ne peux pas tout castonner en même temps. C'est fort dommage. Je vais peut-être m'atteler ce soir. Il faut que je fasse la manche du empelléage. J'allais dire à commencer les réparations des sockets, mais il faudrait vraiment que, avant toute chose, je termine le Empelia. Voilà. Allez, on se retrouve pour cette fin de semaine. Et puis, c'est tout. On est vendredi. Je viens clore cette vidéo. Je sais que certains sont en week-end depuis hier soir. Si vous habitez dans l'Est, je crois, l'Alsace, tout ça, là, c'est férié vendredi. Et là, on a un week-end de 3 jours. On va pouvoir se gaver de chocolat. Non, le chocolat devient une denrée précieuse et rare. Il ne faut pas en abuser, mais c'est difficile. Aujourd'hui, tout gris, il a fait tout gris, bah hier, hier il y avait un vent, c'était la folie, franchement c'était la folie, et aujourd'hui il y a beaucoup moins de vent, mais il fait tout gris, et donc pas hyper hyper chaud. J'ai donc porté mon berlingot de Hélène, l'atelier La Case Avant, vous savez que je l'aime beaucoup, que j'ai fait avec de la laine non teinte, de laine et tricot, et une pelote de... reggae ombré de chez Zauberball,
Et donc je l'aime vraiment beaucoup, j'aimerais bien m'en refaire un deuxième. Il bouloche un petit peu, mais franchement ça va. Et j'étais bien dedans aujourd'hui. Alors si je m'agitais un peu, j'avais rapidement chaud. Mais c'était bien, et même dehors c'était bien en fait, parce que dehors il faisait pas froid, mais il faisait pas chaud, et donc bah voilà, j'aime trop ce pull, j'aime trop ce pull, donc c'est cool. Je viens clore aujourd'hui, j'ai plusieurs petites choses à vous montrer, je n'ai pas entamé les réparations de socket parce que flemme pour l'instant. J'ai sorti ma socket élastomère de Lysandre que j'ai fait l'an dernier pour avoir un modèle de hauteur de tige, tout ça pour refaire le... Pour refaire le rabat à la bonne hauteur, même si... La languette à la bonne hauteur, même si je sais que faudra que je fasse attention parce que ce ne sont pas les mêmes talons sur mes autres chaussettes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans l'ordre. Je pense à plein de trucs en même temps, mais on va y aller tranquille, Manu, dans l'ordre. J'ai terminé le Ampelia, donc vous savez que je ne peux pas vous le montrer avant sa sortie. De toute façon, il n'est pas lavé. Il faut que je lave, c'est prévu pour demain samedi. J'ai rentré tous les fils, j'ai fini les deux manches, il est terminé, j'adore sa couleur, c'est vraiment hyper printanier, et donc bah faut que je le bloque parce que clairement vous avez vu la dentelle, il faut qu'elle se place correctement. Je pense quand même que c'est lui qui m'a déclenché des douleurs au coude avec les multiples torsades, car mine de rien, il n'y en a pas, je sais plus combien, 1000 et quelques comme sur la manche du gilet de Christelle, mais il y en a quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah bah ça, tiens. J'ai castonné. J'ai juste castonné le cardigan à tulle de... en test pour Audrey Yarnflakes, Audrey Borrego. J'ai juste fait le rang de montage. Voilà, j'ai fait l'échantillon, je vous l'avais montré, et là je me suis juste plongée dans le patron pour faire le rang de montage. Alors ça paraît très grand, mais parce que c'est un sorte de kimono manche tombante, donc forcément ça c'est tout le dos, y compris jusqu'aux manches tombantes. Donc voilà, ça va démarrer tranquillou, mais au moins c'est monté, il faudra que je fasse la suite plus tard. J'ai échantillonné pour le... Le Sioman, ça c'est ma couleur contrastante. J'ai échantillonné avec la couleur contrastante parce que je pense que c'est celle-là dont j'en ai le plus. Et comme je n'arrive pas trop à me rendre compte si j'aurai assez de ma couleur principale, j'ai préféré échantillonner avec la couleur contrastante. Donc le Sioman, je vais le faire avec de la Coste de Holzgarn. C'est une fingering très fine mais qui gonfle un petit peu au lavage. Donc dans ces deux coloris-là... coloris principal, celui du haut, coloris contrastant, celui du bas. Celui du haut, c'est de... Je me demandais ce que je voulais vous dire. Le coloris Tawny Owl et le coloris du bas, c'est Amber. Donc voilà ce que ça va donner ensemble. C'est un fil très fin, c'est 55% laine et 45% coton, et on a 350 mètres pour 50 grammes. Donc en fait, on est presque sur de la light fingering, mais j'avais envie d'un petit pull vraiment léger. Et je me dis que si je le fais avec ce fil-là en simple, beaucoup de personnes m'ont dit sur le cal du Sioman, mais double-le. Mais c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de le faire en simple pour avoir un petit pull vraiment très léger. Voilà, j'aime bien avoir vraiment tout type d'épaisseur dans mes vêtements tricotés pour vraiment avoir un peu de tout à tout moment. Et donc, j'ai échantillonné en 3,25. Eux, ils la préconisent de 2,5-3. Moi, j'ai échantillonné au 3,25, sachant que je tricote serré. Même si j'ai l'impression que je me détends un petit peu du tricot dernièrement, parce que j'ai moins de mal à avoir les échantillons des designers qu'auparavant, où j'avais tout le temps un truc mille fois trop petit. Après, je tricote pas lâche, hein, mais j'ai l'impression que je me détends un petit peu. J'ai échantillonné. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très doux. Je trouve qu'elle gonfle un petit peu au lavage. Pas de fou, mais un petit peu. En 3,25, je m'attendais à ce que ce soit vraiment déjaugé. En fait, c'est un petit peu déjaugé. Vous voyez, on voit un petit peu à travers, mais... Mémé, s'il vous plaît, montrez-moi ça.
Voilà, mais rien de fou, quoi. C'est pas non plus des jaugés de ouf. Et je m'attendais à avoir un échantillon beaucoup plus en décalage avec Elise, parce que l'échantillon d'Elise, il est vraiment bizarre pour de la fingering. Et moi, en fait, j'ai 9 cm, et je m'attendais à avoir vraiment beaucoup moins. Donc 9 cm, ça me va, je vais bricoler. De toute façon, ce sont des manches tombantes, donc c'est hyper facile d'adapter. Il suffit d'avoir la bonne largeur, après on adapte la hauteur à notre emmanchure, la hauteur du corps, et puis tout roule, quoi. Donc ça me va très bien, je sais pas quand je vais le démarrer, mais l'échantillon est fait. Et ouais, 9 cm, bah j'ai plus qu'à choisir ma taille. Alors ça va faire une grande taille, mais déjà que je fais une grande taille, ça va faire une taille encore plus grande. Mais ça va le faire. Ensuite, au niveau du test du aconite, parce que lui, il ne faut pas que je l'oublie, parce que c'est vrai que là, je suis un peu trop bien des nouveaux projets, et j'ai tendance un petit peu à me dire, mais le aconite, en fait, il a quand même avancé. Donc le aconite, je vous l'ai montré en début de semaine, hein, c'est celui que je fais en coton mérino de chez Knitting for Olive. Alors là, on est encore sur un mérino fin. Je suis dans une phase, un coton mérino fin. Je suis dans une phase coton mérino et laine super fine. Après avoir tricoté plein de trucs en déca en début d'année, là j'ai envie de laine super fine. Ça me dérange pas de tricoter de la laine super fine. C'est vrai que ça monte moins vite, on va pas se mentir. Mais j'aime bien aussi en fait. Et puis surtout à porter, c'est un vrai régal. Donc bah j'ai avancé un peu le corps, je vous l'avais dit, je crois que je voulais finir là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis assise sur ma pelote, c'est ça l'histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ces aiguilles? C'est des aiguilles quoi? Des aiguilles 3,25, j'ai fait... Ah, c'est des aiguilles que je n'ai pas rangées justement, que j'ai utilisées dans le aconite et que je n'ai pas rangées. Bref, donc, j'ai fini ma pelote. Ça, c'est le moche côté où il y a les changements de fil. J'ai fini ma pelote sur le corps, donc bah, j'ai ça quand même, hein, ce qui est pas mal. Et j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire l'encolure, histoire d'avoir la finition du col, de manière à pouvoir voir comment ça tombe. Je croise toujours les doigts pour avoir assez de laine, et je croise les doigts pour qu'on relève le nombre de mailles qu'il faut pour que mes emmanchures se rétrécissent un peu, parce qu'elles sont gigantesques. Vraiment, elles sont gigantesques, mes emmanchures. Ça me fait peur un peu. Je vais voir comment Audrey nous fait relever les mailles, mais ça me fait un peu peur, elles sont très très grandes. Regardez la tronche d'une emmanchure, c'est énorme, je peux y passer ma tête. Ouais, clairement je peux y passer ma tête. Bref, donc j'ai fait l'encolure. Alors attendez, où est la ligne d'épaule? Elle est là. Voilà, alors l'encolure se mettra bien au blocage, hein, mais c'est une encolure large, le patron est comme ça, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, et c'est une encolure avec des côtes, puis du jersey qu'on laisse rouloter, et je trouvais ça original. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait du jersey rouloté, d'ailleurs je me demande si j'en ai déjà fait en encolure, je ne sais plus. Mais voilà, du jersey rouloté, j'espère que ça va se lisser un peu au blocage, mais de toute façon je pense qu'avec mes seins, ça va forcément se mettre bien. Et j'aime beaucoup cette encolure, et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le tissu fluide que ça prend en 3,25. C'est pas déjaugé, mais c'est ultra fluide. Donc maintenant, bah, faut dérouler le corps, et je pense que je vais finir le corps et après faire les manches, parce que je sais pas trop où je vais en être niveau quantité de laine. Donc voilà pour le aconite, qui a avancé comme je voulais. Et pour finir, je vous avais montré mon tube de chaussettes. Donc pomme là, c'était ça de chez Regia, je crois que je vous avais pas dit la composition, c'est 72% coton, 18% polyamide et 10% polyester. Et donc j'ai cherché un contrastant qui pourrait aller avec, parce que l'an dernier j'avais acheté quelques pelotes de fil à chaussettes d'été unis chez Lana Grossa, sachant que chez Regia je crois pas qu'il y ait des fils unis, et ce qui est embêtant je trouve, parce que pour faire des contrastants de chaussettes, je vais pas prendre, enfin je pourrais, mais ça fait un peu bizarre de prendre le coloris fraise pour faire un contrastant sur les chaussettes citron, enfin bref. Donc ça c'était cool, j'ai trouvé du contrastant, et j'avais acheté je crois du écru, du gris, enfin du moins ce que j'ai retrouvé dans mon stash, mais je crois pas que j'en ai de rangé ailleurs, la laine à chaussettes est plutôt bien rangée, du écru, du gris, du violet, écru, gris, violet, orange, et bleu peut-être. Donc j'avais pas mis le choix, parce qu'en fait violet ça n'allait pas, écru ça aurait pu, mais c'est, il n'y a pas d'écru vraiment dans mon coloris pomme, il y a plutôt du rose clair.
Donc violet ça n'allait pas, écru ça n'allait pas, bleu ça n'allait pas du tout avec mon coloris pomme. Je sais plus ce que je vous ai dit, enfin bref, j'ai opté pour ce orange, qui n'est pas le même orange que dans les chaussettes, mais franchement, ça passe. Et donc je vous avais dit que je voulais pas faire tout de suite les sockets, en fait j'ai craqué, j'ai commencé parce que j'avais trop envie de voir. Donc ça c'est de la cotonnée vegano Mile and White 100 de chez Lana Grossa. C'est ça. Et on a 76% de coton, 14% de polyamide et 10% de polyester, c'est presque la même chose. Là c'est 72, 18, 10 et là c'est 76, 14, 10. Donc oui c'est clairement la même chose, ce qui est super bien, ce que je voulais. Avant de trouver des contrastants comme ça là, unis chez Lana Grossa, j'étais désespérée de trouver des contrastants unis pour mes chaussettes d'été parce que ça m'ennuyait beaucoup de pas en avoir. C'est pour ça aussi notamment que mes premières sockets d'été, elles sont toutes avec un seul fil parce que je n'avais pas de contrastant. Mais là je suis trop contente, puis c'est des pelotes de 100 grammes, donc je vais pouvoir faire plein de contrastants, voire même des chaussettes à motif ou autre avec, donc c'est très très cool. Et j'ai commencé donc mon tube, j'ai fait une languette, donc en suivant le patron des sockets élastomères de Lissandre, mais il y a Claude Tricot qui a fait une vidéo, je vous l'ai dit. Franchement, c'est nickel, et le fait que ce soit contrastant, c'est vachement plus facile pour faire le rabat cousu. Le rabat cousu, elle a une vidéo libre d'accès sur sa chaîne, Lissandre, si ça vous intéresse. C'est vachement plus facile parce qu'on sait exactement où piquer, du coup, vu que c'est contrastant. Donc, bon, je trouve que ce orange, oui, c'est pas le même, du tout le même que celui-là, mais je trouve que ça passe. Ça fait vraiment un petit coloris estival printanier. Et j'ai fait le talon après coup, le premier talon. Du coup, j'ai pas coupé mon tube parce que je ne me suis pas encore décidée de vraiment ce que j'allais faire dans ce tube. Donc, tant que je ne suis pas décidée à ce que je vais faire dans ce tube, bah, je ne le coupe pas. Et donc, j'ai commencé à faire une languette, un talon après coup. J'ai laissé du jersey ici. Je me suis un peu fiée à cette chaussette-là, à voir combien il y avait de jersey avant le talon. Et comme ce talon-là est plus profond que lui, j'ai laissé un tout petit peu plus de jersey. On verra au porté si c'est plus confortable avec plus ou moins de jersey. J'adapterai pour les prochaines. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mesurer du coup depuis le talon où est-ce que je dois couper. Je ferai la pointe, je ferai la deuxième soquette identique. Alors peut-être pas identique au niveau des motifs, hein. Franchement, moi je m'en fiche si ça commence pas au même endroit. Je pense que je prendrai le tube là où il vient. Si par exemple ça se coupe en plein milieu du rouge, je vais pas gâcher. Enfin non, je pense que je prendrai le tube comme il vient. Ce sera des pareils, pas pareils. Et j'aurai une paire de sockets. Donc je vous ai dit que je voulais tester comment ça... Elle, je la porterai tout de suite. Je veux tester comment ça bouge, comment ça vieillit. Enfin, comment ça bouge surtout quand on les porte. Et je veux tester, voir si ça c'est assez haut, pas assez haut, etc. Et ensuite, eh bien, je verrai le reste du tube, comment je l'utilise. J'ai fait donc le talon après coup, il y a plein de vidéos sur internet si ça vous intéresse, on m'a déjà posé plein de fois la question. Moi j'ai fait le talon sur 64 mailles, en fait mon tube c'est 60 mailles, mais j'ai remarqué que dans les talons après coup, c'est quand même plus confortable quand je pars sur un talon de 64 mailles. Et pour la pointe, je pense que je vais faire la même chose, je vais peut-être faire deux augmentations de chaque côté pour faire une pointe de façon ou pas. Je sais pas, la pointe c'est moins important, mais le talon je trouve que ça donne quand même un tout petit peu plus de profondeur, et le talon après coup il est pas énorme, donc surtout quand on tricote serré comme moi. Et donc voilà ce que ça donne, la soquette à languette quoi. C'est très cool, ça va faire des soquettes vraiment printanières et tout, j'aime trop. Et dans mon idée, je pense que je peux faire trois paires de soquettes dans un seul tube, et ça serait trop bien, vous imaginez, une pelote, je crois qu'elle valent, allez, à tout casser 10 euros, je sais plus, même pas, moins que 10 euros, je crois, et vous pouvez faire 3 paires de sockets en mettant un contrastant. Si vous ne mettez pas de contrastant, je crois que les sockets élastomères de Lissandre dans la même laine, j'ai utilisé pile poil 50 grammes pour faire une paire, donc vous pouvez faire 2 paires de sockets. Bien sûr, tout dépend de votre pointure, moi je fais un 38,5, ce qui fait 24,5 cm de longueur de pied. Donc voilà, ça va avancer tranquille, j'ai pas de pression, c'est juste que là j'avais très envie de voir comment ça a marché. Donc j'ai fait ça, je fais finir la première, faire la deuxième, bon, je sais pas quand, on verra. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout, je n'ai rien d'autre à rajouter me semble-t-il. On verra la semaine prochaine ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire plein de trucs, c'est un... Ouh là, la folaille.
Et pour finir du coup ce petit morceau de vidéo qui va déjà être assez long, les patrons et les vidéos que j'ai regardées. Alors au niveau des patrons, je me pousse. Il y a Johanna Gerich qui a sorti un pull que je trouve hyper fun depuis qu'elle l'a montré sur les réseaux. Qu'elle le faisait, je trouve hyper fun, par contre je pense qu'il doit être pénible à faire. Il s'agit du Funky Gustave Sweater, qui est un pull avec une torsade devant, et qu'elle vient, je sais pas trop comment, rebroder au crochet en couleurs contrastantes. Je trouve ça hyper fun, mais ça doit être super long. Ensuite, il y a Sari Nordlund qui a sorti le Purpura Pullover, et j'aime beaucoup. C'est un pull en yoke, et j'aime bien son yoke. Il y a des gens qui l'ont fait avec ou sans les bubbles, j'ai vu dans les testeurs, et je trouve très sympa. Il y a Charlotte Stone qui a sorti un kit de chaussettes en jacquard. Il s'agit des Flower Garden Sock Set. C'est un kit de 4 paires de chaussettes avec des motifs fleuris. J'aime beaucoup. Il y a l'air d'avoir quand même du 3 couleurs à plusieurs endroits, mais non, sur une seule paire en vérité, celle avec les pensées. Franchement, il y a les pensées, les tulipes, les roses et je ne sais pas quoi. Et non, et oui, je ne sais pas ce que sont. Et des coquelicots peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, je trouve ça hyper joli. Et là, je vous inclus un patron au crochet parce qu'en fait, je me suis remise à regarder les patrons qui sortaient au crochet parce que je trouve ça cool aussi. Et j'aimerais me faire plus de vêtements au crochet. Le seul problème du crochet sur Ravelry, c'est que souvent, il n'y a pas de testeur. Il n'y a pas de patron, enfin, il n'y a pas de version de testeur. Du coup, moi, je sais jamais si le patron a été testé ou pas, s'il est fiable ou pas. Enfin, c'est ça qui me dérange un peu. Mais alors, un truc de fou. Alors, je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte. Il y a des ados qui buglent. Sans doute, ils sont très contents d'être en week-end, mais ça fait du bruit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur Ravelry, il y a 2 fois plus de patrons de crochet qui sortent que de patrons de tricot chaque jour. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai repéré un pull que je trouve sympa de Yassia Krivonos. C'est le Coffee Break Pullover. Je le trouve vraiment sympa. Après, j'ai vu, il se tricote en worsted, je crois. Donc de la... Enfin, il se crochette en worsted. De la worsted au crochet. Waouh, ça doit être sacrément chaud. Moi, quand je regarde les vêtements au crochet, j'essaye de pas aller plus loin que de la DK, parce que sinon, c'est immétable, quoi. Ou alors, faut habiter au pôle Nord. Il y a Marguenet, donc Marianne Munier, qui a sorti le Courbet Pullover, qui est une marinière dans sa série des marinières. Là, je vous montre que le dos, parce que l'avant, c'est une marinière en col V, tout simplement, et c'est le dos qui est intéressant, puisque lui, il n'est pas rayé, et il a un point de dentelle, et donc je suppose que le tricot se fait à plat, puisque sinon on ne peut pas, ou alors avec 2 pelotes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a forcément une manip particulière pour faire ce tricot, puisqu'il n'y a pas de rayures dans le dos. Et pour finir les patrons, pas du tout, et pour continuer les patrons, il y a même les anges tricotes, donc Laetitia qui a sorti le châle Une Brioche pour le thé, dont on a entendu parler notamment chez Lauriane Nos Demoiselles, chez Mélanie des Aiguilles Aventurières et chez Caroline Chouloulout. C'est un magnifique châle, j'allais dire colvé. Tout va bien, c'est le week-end. Triangulaire avec de la brioche. Il est très très beau. Peut-être un peu trop profond pour moi, mais je trouve très beau. Et pour finir, il y a Audrey Borrego qui a sorti un joli châle que je trouve original, qui est le Tramea. C'est un châle triangulaire, assez profond mais assez large aussi, qui alterne des rayures, une section de géométrique avec des mailles glissées, ensuite il y a une section de dentelle je crois, et ensuite ça finit par un petit peu de brioche. Et il est très original, je le trouve sympa. Et pour terminer les vidéos que j'ai regardées en cette fin de semaine, j'ai regardé le vlog tricot 11 de Lucie, les péripéties d'une belette. J'aime beaucoup beaucoup Lucie, elle me fait rire. Gros big up à sa royale majesté, son chat qui est trop beau, j'aime trop sa royale majesté. Et c'est trop cool qu'elle tricote et tout, et elle me fait rire avec... Elle me fait rire, c'est tout. Elle me fait rire et ça fait du bien, les gens qui font rire. Et j'aime beaucoup ce qu'elle tricote, et c'est très réfléchi, et c'est trop chouette. Voilà, vivement un prochain épisode de Lucie. J'ai regardé, pour la première fois, puisque c'était le premier épisode, de Monsieur Knitting Clément, qui s'est mis au podcast Tricot, et c'est vraiment trop trop chouette. Voir des hommes qui tricotent, je trouve ça
excellent. Je trouve ça absolument génialissime et j'aimerais en voir plus. Alors c'est vrai que je ne prends pas trop le temps de regarder Vincent et Didier. Bah c'est juste par manque de temps. Je regarde Olivier O'Kill Tricote quand il sort des vidéos, mais c'est pas très souvent. Je regardais un peu Valpolo Cello pendant un moment, mais c'est vrai que je regarde plus Didier Vincent, je prends pas le temps de regarder. Et là, Clément, j'avais envie de regarder, donc pour le soutenir. Donc je l'ai fait, et c'est vraiment trop chouette. Et je me posais une question. Attention, cette question ultra touchy, je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, j'aurais peut-être mieux fait de me la fermer. Je vous assure que c'est une question bienveillante que je me pose. Déjà, je me demande quelle est la proportion d'hommes qui tricotent et plus largement qui pratiquent des arts du fil. Crochet, broderie, couture, voilà. C'est une question ouverte. Ensuite, ma deuxième question, c'est quelle est la proportion qui aime ça versus la proportion de gens, d'hommes qui osent le faire, parce qu'on peut très bien être attiré par le tricot et ne pas oser se lancer juste parce qu'on est un homme. Et ensuite, ma question purement innocente, hein. Quelle est la proportion d'hommes homosexuels dans les hommes qui pratiquent les arts du fil? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Ou alors, peut-être qu'il y en a beaucoup plus qui assument, comparément aux hétéros. Et c'est ça ma question en fait, c'est est-ce que les hommes hétéros ne tricotent pas parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là? Alors, tricot, art du fil, etc., vous comprenez? Et c'est comme ça. Ou alors, ils ont peut-être cette sensibilité-là à cet art créatif, mais n'osent pas le pratiquer parce que tu comprends, je suis un bonhomme hétéro, on fait du bricolage, on fait pas du tricot. Ou alors, ils le font, mais en cachette, et ils n'osent pas le montrer parce que tu comprends, je suis un homme hétéro, j'ai pas montré que je fais du tricot, non mais c'est un truc de bonne femme, ça. Voilà. Donc en gros, j'ai beaucoup d'admiration pour les hommes qui tricotent, et qui assument qu'ils soient, peu importe leur orientation sexuelle, j'en ai rien à foutre de leur orientation sexuelle, c'est juste un constat statistique que je faisais, que la plupart des hommes que je connais qui tricotent, pas tous, mais la plupart, sont gays. Voilà, c'est un fait. Et je trouve ça trop cool, les hommes qui tricotent. Et voilà, messieurs, assumez s'il vous plaît, parce que vraiment, il n'y a pas de préjugés à avoir. C'est bien trop chouette. Ensuite, j'ai regardé l'épisode 119 de Yarn Flakes, et c'était vraiment chouette aussi. Comme je vous ai dit, j'aime énormément regarder les podcasts d'Audrey. Elle est très inspirante, c'est toujours excessivement intéressant. J'apprends toujours plein de trucs. Elle explique les constructions, Elle explique plein de choses techniques ultra intéressantes, ses fails aussi, etc. Et puis depuis qu'elle a son petit chat Mota en tant qu'invité, comment dirais-je ? Oh là là, c'est dur les mots le vendredi soir. Invité d'honneur. Eh bien, c'est un vrai plaisir. Voilà. Bien, c'est assez long comme ça, je crois. En plus, ma batterie baisse, je vois, donc ça tombe bien. On va pas diluer la sauce plus. Je crois n'avoir rien d'autre à vous dire. Donc, eh bien ma foi, je vais vous laisser ici. Je vais aller m'empresser de faire le montage que je n'ai pas commencé et il faut absolument que je le fasse avant de tricoter avec les copines parce que sinon, ça va me saouler. Voilà, tout simplement. Et je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques, que vous fêtiez Pâques ou pas. Mangez du chocolat, ça fait toujours du bien, que ce soit Pâques ou pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Voilà, et normalement plein de trucs sur mes aiguilles. J'ai beaucoup d'envie. J'ai beaucoup d'envie. Voilà. Et donnez-moi votre avis sur le châle aussi, Iris, avec mohair, pas mohair, tout ça, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, un bon week-end, prenez grand soin de vous, dites aux gens que vous les aimez, à quel point vous les aimez, comme dirait Nathalie By Night, parce que c'est hyper hyper important de le verbaliser aussi, parce qu'on a besoin de l'entendre, et je sais à quel point c'est difficile, pour l'amour de soi et l'estime de soi, quand on ne l'entend pas, même si c'est ressenti, mais que c'est pas verbalisé ou montré par des attentions. Voilà, donc prenez grand soin de vous, tricotez à fond les ballons dans ce grand week-end, si vous avez un grand week-end, et on se retrouve la semaine prochaine.